allez tous bien, alors je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes créations du mois de mars. Faut que je change de phrase, je commence toujours par la même chose, c'est chiant, hein. Donc oui, alors, je sais pas, vous avez vu dans la petite intro, si j'ai pas oublié de la mettre, parce que la dernière fois j'avais oublié de la mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai voulu changer de style de création, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps comme ça. Et là j'ai voulu tester des nouvelles techniques. Donc là j'ai essayé la technique du Licat, du Mika Shift et du Sit and Slice. Voilà. Bon, le Sit and Slice je l'ai complètement foiré parce qu'en fait j'ai pas le matériel adéquat, donc du coup j'ai fait avec les moyens du bord, mais ça a pas donné exactement ce que j'ai investi dans du matériel, mais bon. C'est un boulot, c'est un peu compliqué, hein. ouais. Et aussi j'ai lancé une petite collection sur l'ethnique, vu que c'est à la mode, et bah j'en ai fait une petite collection qui a deux styles différents d'ethnique. Oh merde, il est dur à me dire ce mot là. J'ai fait l'ethnique chic glamour, non pas glamour, géométrique dans les couleurs pastel, et ethnique un peu plus punchy quoi, avec des couleurs qui flashent un peu plus et dans un style différent aussi. Et puis après moi j'ai quand même fait des petites créations comme d'habitude quoi, mais vraiment j'ai pas fait grand chose là ce mois-ci, j'étais pas motivée, j'ai pas fait vraiment grand chose quoi. Mais surtout que les techniques que j'ai essayées, j'ai quand même pas mal galéré hein, l'air de rien. Donc du coup j'ai recommencé plusieurs fois et puis bah arrivé là bah j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est pas grave hein, comme ça ça va être faire une vidéo courte. Ça m'étonnerait. Ouais bon, je vais pas trop tarder, hein, je vais pas abuser non plus quand même. Et on y go, let's go. Je vais commencer par l'ethnique, c'est à ma gauche, je suis gauchère. Par là. Donc il y a combien? J'ai fait 3 colliers dans le style géométrique. Et 3 colliers dans le style un peu plus punchy, là, qui pète aux yeux. Et il y a combien? 5 paires de boucles. Voilà, l'ethnique. Hop, déjà il y a ce petit collier là. Avec tous les petits triangles qui bougent. Il est tout léger, il est tout amovible, il est tout articulé. Voilà. Donc ils sont tous de la même couleur. J'ai utilisé du rose quartz, du bleu quartz, du vert jade. Bon, le plus beau des verts qui existent. Oh, le vert jade également, vous savez comment il est trop beau. Bon là vous voyez rien. Et le bleu Windsor. Le bleu super foncé qui est trop beau. Et là j'ai niqué tous mes apprêts dorés, j'ai plus rien en doré. J'ai plus de chaîne, j'ai plus de boucle d'oreille, j'ai plus rien. Alors je suis dans la mouise là, je peux plus rien faire en doré, c'est fini. Donc il y a celui-ci. Ensuite, toujours pareil dans le même style, il y a celui-ci en double. Fait comme ça, t'as la moitié d'un rat de coupe et un qui pend. Avec le bleu Windsor, je sais plus comment ça faisait, le bleu foncé, j'ai même mis un petit peu de doré. Le bleu et rose quartz. Voilà. J'ai mis où l'autre? Là. Bah oui, mélange pas tout. Oh. Dans la bobette. Tout est rangé. J'aime pas le bordel. J'ai horreur de ça. Bleh. Ensuite, il y a celui-ci. Il y a plein de petits triangles. Donc là c'est pareil, c'est du rose quartz, là il a le bleu quartz, le bleu foncé et le vert jade que je trouve juste magnifique ce vert là. Faut que je rachète un pain. Parce que là j'ai niqué mon pain de vert jade aussi du coup. Je kiffe ce vert là, il est trop beau. Ah, j'adore, j'adore. Voilà, un petit collier comme ça. À moitié ras de cou. Pas vraiment, ça pendouille un petit peu quand même. Collection avec toujours les mêmes couleurs. Géométrique, tout partout pareil. Avec des boucles d'oreilles dorées. Déjà que j'avais pas grand chose en doré, bah maintenant j'ai plus rien du tout. Voilà. En losange. Là. Des petits losanges, pareil. Avec les mêmes couleurs. Là, à la caméra, on voit pas la différence entre le bleu et le rose. Ça m'a saoulé aussi, je sais pas pourquoi ça a fait plein de petites bulles. Pourtant, j'ai carrément chassé les bulles d'air, quoi. Ils font chier. Et ça, j'ai remarqué avec le bleu et le rose quartz, ça fait souvent ça. Donc ensuite, il y a celle-ci, en rose quartz avec des chaînes dorées au bout. Ça fait rigolo.
Bien, moi, c'est rigolo. Et j'ai fait les mêmes, mais en argent. Bleu et argent. J'ai plus de doré. Voilà les bleus et argent. C'est les mêmes, mais en bleu et argent. Et avec le bleu quartz, des petites des demi-pastilles. C'est un rond que j'ai coupé en deux, tout simplement. Et franchement, cette collection-là, je trouve que ça fait raffiner et tout. Et c'est hyper simple à réaliser, quoi. Voilà, l'eau technique. Et technique. Oh putain. Donc là, c'est le bleu nuit. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce bleu-là en Fimo. De toute façon, je n'utilise que de la Fimo. Je suis fidèle à la Fimo. Je n'ai jamais, jamais touché à la cernite ni à la sculpée. Toutes les créations que je fais sont à base de Fimo. Pas de Fimo. La marque Fimo. Donc là, ouais, c'est le bleu super nuit. Merde, tu sais, il y a des petites étoiles dans le bleu, là. Comment il s'appelle, ce bleu-là? Ouais, il fait presque noir, quoi. Et donc, du coup, là, sur le pendentif en bas, j'ai rajouté plein de feuilles d'argent. Enfin, j'ai rajouté une feuille d'argent que j'ai craquelée. Et la petite perle, et puis, ouais. Ça fait un peu plus mastoc que les autres, quoi, mais ça fait sympa aussi, moi j'aime bien. Donc là, il est tout marron, beige. Enfin, c'est le Sahara et de la feuille d'or. Feuille d'or craquelée sur le Sahara. Avec une petite perle qui... Voilà. Et un autre pendentif encore. Et le dernier, ça fait plus style chinois, là. Je dirais, c'est les couleurs qui rendent ça, en fait. Il est tout en rouge et doré. Et ça fait plus... Même, tu sais, du coup, la forme que j'ai donnée hein, à l'envers, comme ça, ça fait chinois. Avec de la feuille d'or. Voilà. Tout simple. C'est pareil, là, encore une fois, c'est pas compliqué. C'est vraiment tout simple à faire. Okay. Avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, le Sutton Slice, mais j'ai pas du tout le nécessaire, parce que pour faire du Sutton Slice, il faut une plaque de texture super méga souple et avec un marquage bien profond. J'en ai pas. Moi, j'ai que les plaques de texture en plastoc, là. Donc, du coup, ça fonctionne pas du tout. Et puis, bah, voilà ce que ça donne. Alors, si je vous montre de loin, ça va. Puis, si je vous montre de près, c'est tout craquelé. Je suis dégoûtée. Moi, j'ai fait que celui-là, du coup, parce que ça m'a... J'ai pas le nécessaire, donc ça sert à rien de voilà, hein. Donc, ouais, un petit pendentif comme ça. Ensuite, avec la technique du Mica Shift, alors certes, pour le Mica Shift, il vaut mieux utiliser de la cernite. Moi, je n'ai que la Fimo, j'ai fait avec la Fimo, et ça marche, ça fonctionne quand même. J'ai fait ce petit bracelet-là. Ça fonctionne bien avec la Fimo, hein. Donc là, c'est la Fimo argentée. Moi, j'adore. Donc c'est une plaque de texture papillon. Papillon, forcément, des petits papillons. Petit bracelet comme ça, tout simple. Moi, je l'adore. Moi, j'aime quand c'est simple. Là, j'ai fait avec la pâte Fimo cuivre. Oui, c'est la cuivre. Mais ça ressort beaucoup moins. Vous voyez vite fait, quoi. Ça ressort beaucoup, beaucoup moins. Et donc, avec les chutes du bracelet, j'ai fait ce pendentif-là. En fait, j'ai récupéré un papillon que j'avais râpé. Et puis, bah, je l'ai mis sur un support camé. Il est en 2D. Non, enfin, il est voilà, comme ça. Petit papillon. Et j'en ai fait un autre plus petit, mais du coup, je ne l'ai pas monté parce que j'avais déjà le gros. Est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse le plus petit? Après, je me suis dit peut-être que je pourrais le mettre en dessous, comme ça. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop mastoc. Alors, je sais pas. Soit il va finir à la poubelle, ou soit il va finir comme ça, ou soit il va finir autre chose, j'en sais rien, quoi. Mais sinon, c'est pareil. C'était avec le reste du bracelet. Quand j'ai râpé la pâte, et ben ça, j'ai trouvé un petit papillon. Alors voilà, je l'ai mis comme ça sur le support. Tout simplement. Alors là, je ne me suis pas pris la tête non plus, encore une fois. C'est vraiment tout simple, mais j'adore. Et donc, il y a le même. Donc, à l'origine, ça, c'était aussi un micachiste, mais il a complètement foiré, donc du coup j'ai gardé juste les papillons que j'ai râpés, puis je les ai mis comme ça sur du marbré, et c'est pas plus mal non plus, j'aime bien comme ça aussi. Et du coup il me restait un petit papillon,
Et donc du coup, là, j'ai fait tout en... C'est super flashy, là. C'est pas pour moi. J'aime pas ces couleurs-là, j'ai horreur de ça. Tout en rose et violet. Ah là, j'y suis... Pam ! Ça pète à la gueule. Ensuite, là, je ne connais pas le nom de cette technique-là. J'ai pas fait avec le matériel nécessaire parce qu'encore une fois, je n'ai pas ce qu'il faut. Parce que normalement, on fait ce genre de création-là avec des encres pignata. Je n'en ai pas. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai remplacé les encres pignata par de l'isink. Alors c'est pareil, l'isink, j'ai que trois petits pots, donc je suis pas allée bien loin. C'est la même chose à chaque fois. Donc déjà, il y en a un bleu. C'est dans les encres isink que j'ai le bleu topaze, l'argent, j'ai mis un peu d'argent aussi d'ailleurs là-dedans, et le rouge tulipe. Et donc du coup dedans il y a de la feuille argentée qui a été craquelée, c'est ça qui ressort. Et là on le voit beaucoup moins bien, les effets de couleur qu'il y a dedans. Enfin moi à l'œil nu oui, je les vois, mais à la caméra vous verrez rien du tout quoi. Il y a plein, il y a plusieurs bleus différents, il y a de l'argent, il y a la feuille argentée aussi. Mais ça ressort beaucoup moins. Là c'est exactement le même matériel, sauf que je l'ai utilisé différemment. Et là par contre je pense qu'on va mieux le voir, là il y a vraiment beaucoup plus de reflets. Ben on voit pas tant que ça. Ça fait plein de nuances de vert, de bleu, l'argenté aussi, parce qu'il y a de la feuille argentée que j'ai tellement que j'ai craquelé, ça fait que des petites portions ou des petits copeaux comme ça, par-ci par-là. Si j'enlève le flash, ça va peut-être mieux, non? C'est le flash qui fait des trucs bizarres. Il n'y a pas besoin de flash, là il y a du soleil en plus. Non, on voit pas tant que ça. Et donc là, c'est avec le rouge topaze. Non. Topaze, c'est bleu. Le rouge tulipe. Et avec du doré. Avec la feuille d'or, mais la feuille d'or, c'est pareil. Ça fait tout, que des micro-copeaux, donc on les voit quasiment pas. À l'œil nu, oui, mais pas à la caméra. J'ai patiné juste en bas avec de la poudre dorée. J'ai un ruban doré, 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 doré. C'est rouge et doré. Le rouge et doré, je trouve que ça fait vraiment chinois en fait. C'est ouais, voilà. Et donc là, c'était un petit bout qui me restait, puis je l'ai juste mis sur un support camé. De l'autre côté. Allô? Arxn. Ça fait une petite pierre. Voilà. Et donc la dernière technique que j'ai utilisée, c'est l'ICAT, à base d'une... c'est avec une canne. Donc il y a une jeune demoiselle qui m'a déjà demandé le tuto, donc il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça. Donc, voilà ce que ça donne. Là j'ai fait un petit collier comme ça. Il y a la boucle d'oreille qui est assez coincée. Mais les boucles d'oreille en fait c'était avec le reste de la canne, j'ai fait un style marbré. J'aime bien. Des petites perles marbrées. Et il y a la bague. On voit mieux sur la bague. Et donc pour finir, c'est ma petite collection de tout le reste. Des choses que je fais habituellement. Donc là j'ai une guitare. Un hommage à ma guitare. J'ai pas voulu faire pareil qu'elle parce que mais elle est pas comme ça ma guitare. Elle est noire, ouais, mais pas comme ça. On m'a demandé le tuto aussi. J'ai posté la photo sur Facebook, puis on voulait que je fasse le tuto. Donc je ferai ça aussi. Qui est la petite guitare. Et pour aller avec, j'ai fait... Arr, à chaque fois, ça se coince dans mes bagues. Des petits médiateurs. Pour parler avec la guitare, un bout d'oreille. Voilà. Là, un petit marque-page avec plein de petits poissons. Mais je trouve que pour un marque-page, ça fait peut-être un peu trop chargé. Et je pense que je vais plutôt mettre ça en porte-clés. Non? Pour un marque-page, ça fait lourd, quoi. Enfin, je sais pas.
Moi, j'utilise jamais de marque-page parce que j'ai pas de livre chez moi. J'ai horreur des livres, ça me fait chier de lire. Oh, j'aime pas ça. Ça se voit, elle est un petit peu esservée, la fille. Ah, vrai. Et une petite rose. Et du coup, là, il n'y a plus d'éclairage. Ouais, je rallume le flash. La torche. Sur le caméscope, ils appelaient ça une torche. Bon, ça change rien. Avec la bague. Et les boucles d'oreilles puce. Attends, je vois plus rien du coup. Une petite parure. Toutes de roses vêtues. Des roses roses. Un vieux rose. J'aime pas le rose, mais sur des roses, j'aime bien. Bizarre, hein. Bon, je le porterai pas, mais bon. Et donc là, on m'a fait une petite commande. Que des petites fleurs jaunes. Et elle voulait pas que je les monte. Elle voulait que je les laisse comme ça, telles quelles. Pourquoi pas? Donc elle m'a demandé une rose et un coquelicot jaune. Je savais même pas que les coquelicots jaunes, ça existait. Donc voilà, le coquelicot et la rose. Mais le coquelicot, je pense que je vais la recommencer parce que... Même la rose, de toute façon, je crois que je vais recommencer les deux parce qu'elle ne me plaise pas plus que ça. Elle voulait que le coquelicot aussi, il ait le... Son bouton, il soit d'or. Un bouton d'or. Mais ouais, non, je suis pas satisfaite. Je vais lui montrer à la dame, mais je vais recommencer. Parce que ça me plaît pas. J'avais fait aussi ce coquelicot-là au début, mais il me plaît encore moins. Puisque je l'ai déjà monté en bague, du coup, donc je peux pas lui donner. Je vais peut-être la garder pour moi. J'adore le jaune. Allez, hop, t'es adoptée, c'est bon. Et voilà. Et puis bah donc voilà, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même fait une vidéo longue. Et donc voilà, si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas à me le demander, je vous ferai avec plaisir. Là j'ai la petite guitare à faire et à la technique de l'ICAT. Donc si vous voulez autre chose, moi je vous le fais avec plaisir. Et je suis en train de faire encore une nouvelle collection florale en tuto, donc il y a plein de fleurs en tuto. Et je pense que je vais accélérer la cadence parce que sinon l'année prochaine on y sera encore, donc du coup je pense... Je n'ai pas encore réfléchi vraiment, mais je pense que je vais faire 2 tutos par semaine sur la chaîne concernant les fleurs. Faut que j'en profite du moment que je travaille pas, j'ai du temps pour moi, donc je peux vous faire ça. Alors ouais, du coup, je pense que sur la chaîne, je vais vous mettre 2 tutos par semaine le temps que les fleurs se terminent. Après, je reprendrai la cadence normale. Et voilà. Donc voilà, enfin bref, j'en ai blablabla. Ça n'en finit jamais, c'est dingue, hein. Oh là là, faut que j'arrive à me calmer, sérieux. Oh. Alors qu'à l'origine, je suis loin, mais alors très loin d'être une pipelette. Dans la vraie vie, je suis extrêmement timide, j'adresse la parole à personne, je reste dans mon coin. Limite, je fais du boudin. Non, c'est un exploit, je m'étonne moi-même. En fait, je suis toute seule à moi-même, donc du coup, je me parle toute seule. Donc c'est plus facile de parler quand on est toute seule. Donc si je deviens super bavarde quand je suis toute seule, c'est vraiment bizarre quand même. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai, non, mais je m'étonne vraiment moi-même. Quand je vois les vidéos, je suis putain, comment je parle. Mais je suis toute seule, donc c'est facile. Quand il y a du monde, je débloque pas un mot. Rien, que dalle. C'est dingue, hein. Comme quoi, ce qui est bizarre, c'est que moi là, je suis toute seule, je me parle toute seule, donc il n'y a pas de souci, mais je me dis que quand même, derrière, vous êtes plusieurs à regarder. Donc du coup, je devrais quand même poser une question, là, non? Je suis trop blonde pour comprendre quoi que ce soit. Enfin bref, blablabla, 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 blablabla. Hein, on continue avec le blablabla. Et blablabla, et encore blablabla. Pff, n'importe quoi. Oh, vas-y, va te coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Faut que je change cette phrase-là aussi. Je l'aime pas. Elle m'énerve tout le temps la même chose. C'est chiant. Pff, j'aime pas quand c'est la rengaine tout le temps. Tout le temps. On dirait un disque qui se répète tout le temps. C'est chiant. Bon, c'est pas la phrase, je la montrerai une autre fois. Hein. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et elle nique pas mes rideaux, hein! Il y a une mouche derrière les rideaux, elle est complètement cinglée. Hey, forcément, tu t'arrêtes quand je filme. Où est la pépette, moucha? La tronche qu'elle a.
C'est la bébête. Oh la bébête, mon chat. Mais alors, Fifi. Oh merde. Oh, je vois pas trop zoomer. Merde, bah non. Je vais dans le mauvais sens. Pas trop. Essayez, j'ai eu un coup de chaud là. Putain, j'aurais pas dû mettre un col roulé. Pouah.